jour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Sachez maintenant toutes les propriétés et les bienfaits de l'eucalyptus pour votre santé et votre beauté. L'eucalyptus est originaire d'Australie, mais au fil des ans, il a été cultivé dans le monde entier. Ceci est dû aux avantages de l'eucalyptus, qui fournissent le bien-être en raison de ses propriétés qui aident le corps et l'esprit humain. L'eucalyptus a différents types d'utilisation, puisque ses feuilles peuvent être utilisées pour faire un thé simple et savoureux, ou pour un usage médicinal et cosmétique. Les feuilles vertes du produit et l'huile essentielle, connue sous le nom d'eucalyptol, sont utilisées à diverses fins thérapeutiques. Avantages de l'eucalyptus. Avantages de l'eucalyptus pour la santé. 1. Combattre la toux. Le thé d'eucalyptus est un allié important dans la lutte contre la toux et réduit également la formation de mucus dans les bronches. En outre, l'hôte et la personne avec une forte toux arrive à avoir des sécrétions les plus fluides, ce qui contribue à la réduction de la maladie en raison de la propriété stimulante et apaisante d'eucalyptus. Pour faire du thé d'eucalyptus, c'est très simple, il suffit de placer 3 cuillères à café de feuilles dans un bar oblique 4 litres d'eau. 2. Cheveux. Ceux qui souffrent de cheveux secs et démangeaisons du cuir chevelu doivent utiliser un shampoing d'eucalyptus, qui aide à prévenir les brins secs, avec le contrôle des démangeaisons qui peuvent survenir en raison de cheveux abîmés. 3. Expectorants. Beaucoup de gens utilisent l'huile d'eucalyptus diluée dans l'usage interne local pour les maisons de nettoyage général ou dans des environnements tels que les saunas vaporisants, par exemple. Cela est dû aux propriétés expectorantes du produit, qui aide à éliminer l'excès de mucus dans les voies respiratoires. En outre, l'eucalyptus est un antiseptique important, qui peut avoir son utilisation potentialisée avec la camomille ou le tilleul, par exemple. 4. Traitement des plaies. L'eucalyptus a un pouvoir germicide élevé lorsqu'il est utilisé sous forme d'huile, aidant à guérir les plaies, les ulcères et les brûlures. Il est très simple d'obtenir les avantages de l'eucalyptol. Il suffit de verser quelques gouttes d'huile dans le pansement, puis couvrir la zone qui est blessée. 5. Utilisation pour les diabétiques. En général, les personnes atteintes de diabète ont plusieurs restrictions concernant la consommation de sucre dans leur alimentation. Pour tenter de soulager les effets désagréables de la maladie dans le corps, il ne se fait l'infusion de feuilles d'eucalyptus. Cependant, il est déconseillé de consommer plus d'une tasse de thé par jour. 6. Soulagement de la douleur musculaire. L'eucalyptus a des propriétés relaxantes et analgésiques, ce qui aide beaucoup de personnes souffrant de douleurs musculaires. Pour un bon résultat, il suffit d'ajouter 4 gouttes d'huile d'eucalyptus dans l'huile d'amande, 100 ml. Ensuite, seul le produit est frotté dans le toucher au moins 2 fois une zone de jour. 7. Massage. Beaucoup de gens recherchent des masseuses qui font des massages avec de l'huile d'eucalyptus, parce que la substance est responsable de créer un sentiment de bien-être. La recommandation est que l'huile soit appliquée au point d'impulsion pendant le massage. Apprenez à préparer un thé délicieux et obtenez tous les avantages de l'eucalyptus. Pour boire un délicieux thé à l'eucalyptus, vous aurez besoin d'un 1 cuillère à soupe de feuilles d'eucalyptus hachées, 1 tasse de thé à l'eau. Comment préparer et consommer? Faire bouillir l'eau, laissant les feuilles d'eucalyptus hachées dans une tasse. Verser ensuite l'eau chaude sur les feuilles, couvrir avec une assiette et laisser reposer un moment. Ensuite, quand le thé est chaud et prêt à consommer, passez dans une passoire. Vous pouvez ajouter des gouttes de citron dans le thé et, encore, l'adoucir avec du miel. La personne peut boire jusqu'à 3 tasses de thé d'eucalyptus tout au long de la journée. Cependant, les femmes enceintes et allaitantes ne devraient pas consommer cette boisson. Voulez-vous connaître les avantages de l'eucalyptus? Profitez de l'occasion pour partager avec nos amis sur les réseaux sociaux notre suggestion de recette avec le produit. Avez-vous aimé? Partagez sur les réseaux sociaux et faites en sorte que cette information atteigne les personnes dont vous avez besoin. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités.
Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.